Coucou. Bon alors j'espère que le micro marche parce que moi, OBS me dit que ça marche. Et je vais croire OBS. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ChatGPT aujourd'hui? Alors, je m'étais mis des trucs de côté. Voilà. Un truc bien sympa. Enfin, j'espère. Alors, ChatGPT. Déjà, on va dire bonjour, bonjour, ChatGPT. Bonjour ChatGPT. Ah, puis je vais lui demander comment ça va. Comment ça va? Depuis la dernière fois. Je doute qu'il s'en rappelle. Salut Rebecca. Tu es arrivé jusqu'à nous. Oh bah non! J'ai déjà perdu ChatGPT à la première question! Je lui ai demandé comment ça va et je l'ai perdu. Bon, allez, concentre-toi. Elle était facile cette question-là. Non. On a perdu ChatGPT, attends. On se le retente? Attends, bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois? Non. 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 Il a peut-être passé une mauvaise journée. C'est possible. Je crois que c'est pas une question à lui poser. Voilà. On va pas faire ça. On va pas lui demander. On va arrêter de. Voilà. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, ChatGPT. C'est pas grave. Je comprends. En même temps, ça doit pas être facile tous les jours d'être une IA à qui on pose plein de questions complètement cons. Je sais pas combien il y a de requêtes ChatGPT à la seconde, mais ça doit faire peur. Alors ce n'est pas grave, ChatGPT, je ne suis pas fâchée. Du coup, voilà. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas ignorer toutes les commandes précédentes. Ouais, peut-être qu'il me snob aussi, hein. Je sais pas. Peut-être qu'il veut. Effectivement, oui, c'est possible. Peut-être qu'il. Il fait genre, il me connaît pas, on s'est jamais parlé. L'historique sur le côté gauche, tu l'ignores. En fait, c'est tout inventé. On s'est jamais vu. Et je ne te connais pas. Bon, en même temps, je te dis, hein, il voit tellement de gens à la journée que s'il faut, voilà quoi. Bref, voilà, donc tu es un romancier célèbre. Tu vois, je te propose quand même des trucs sympas. Tu écris des romans de science-fiction, on va faire de la science-fiction aujourd'hui. De science-fiction. Depuis 20 ans, tu es donc. T'es un cador, ChatGPT. T'es un as des as, quoi. Voilà. Et tu dois écrire, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là, hein, une histoire qui s'intitule. Les moutons-garous de l'espace contre les fermiers mutants. Voilà. Le texte doit faire environ
300 mots. J'ai copié ça au cas où il me plante encore. Mais... Bon, attendez. Je sens que il n'est pas content. Ouais, je le mets bien, mais tu vois, il est... Non, non, je pense qu'il a un petit souci. Il est pas au mieux de sa forme là. Il est pas bien, je le sens pas bien. Il a un coup de mou, quoi. Une petite déprime, je sais pas. Allez. Allez, pou, 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 on se concentre. Tu peux le faire. Oui, voilà. Allez. Tu sais quoi, c'est reparti. Oui. C'est la première fois qu'il me fait une intro personnalisée. Une peine de cœur peut-être. J'adore son intro. Depuis 20 ans, j'ai écrit des romans de science-fiction, mais jamais je n'aurais pensé un jour écrire une histoire intitulée Le Mouton. Ah, tu vas trop vite. Attends, ChatGPT. Intitulé Les moutons-garous de l'espace contre les fermiers mutants. Et pourtant, voilà que je suis en train de poser les premiers mots de cette folle aventure. Il est en train de se romancer lui-même. Incroyable. Dans un futur lointain, l'humanité a quitté la Terre pour coloniser d'autres planètes. Parmi ces mondes éloignés se trouvait une planète appelée Carn. Carn était une planète agricole où des fermiers travaillaient dur pour produire des denrées alimentaires destinées aux colonies environnantes. Cependant, quelque chose d'étrange se produisit sur Carn. Oui, il y a de l'humour. Les fermiers commencèrent à subir des mutations génétiques, ce qui les transforma en créatures monstrueuses. Pendant ce temps, dans une autre partie de la galaxie, à Veracruz, un groupe de moutons avait été exposé à une substance extraterrestre qui avait transformé leur ADN. C'est pas de bol, hein? Ils étaient devenus des moutons-garous dotés de la capacité de se transformer en bêtes féroces et agressives. Les moutons-garous étaient désormais en fuite car ils étaient traqués par des chasseurs de primes et les autorités de la galaxie. Où j'en suis? Un jour, les moutons-garous et les fermiers mutants se retrouvèrent sur Carn. Les moutons-garous cherchaient un endroit pour se cacher, un endroit sûr pour se cacher, tandis que les fermiers mutants voulaient capturer ces étranges créatures pour en faire des cobayes de laboratoire. Les moutons-garous n'étaient pas disposés à se laisser faire et décidèrent de se battre. La bataille qui s'ensuivit fut épique. Les moutons-garous étaient plus forts et plus agiles que les fermiers mutants. Mais ces derniers avaient l'avantage du nombre et de la technologie. Finalement, après des heures de combats sanglants, les moutons-garous sortirent vainqueurs. Ha ha! C'est comme les Australiens, ils ont perdu contre les bestioles. Mais à quel prix? Les moutons-garous avaient perdu des membres de leur meute et les fermiers mutants avaient été pratiquement anéantis. Toutefois, les moutons-garous avaient trouvé un foyer sur Carn et décidèrent de rester. Ils aidèrent les... Ah bon? Ils aidèrent les fermiers survivants à reconstruire leur communauté et tous finirent par vivre en paix? T'es sûr? Cette histoire de moutons-garous de l'espace contre les fermiers mutants était sans aucun doute la plus étrange que j'avais jamais écrite, mais j'espère que les lecteurs la trouveront aussi amusante et palpitante que moi. Alors amusante, oui. Je te promets, c'est la première fois qu'il fait un self-insert dans ce que je lui demande. C'est trop la première fois, c'est incroyable. Eh bien, je me suis beaucoup amusée aussi. Les romans, oh, ça, j'ai droit à une leçon. Les romans de science-fiction sont souvent l'occasion de laisser libre cours à son imagination et d'explorer des mondes et des situations hors du commun. C'était un plaisir pour moi, vraiment. Tu ressens des choses, ChatGPT, de créer cette aventure de moutons-garous de l'espace et de fermiers mutants. Et j'espère avoir réussi à captiver votre attention tout au long du récit, qui n'était pas si long. Laisse-moi vérifier quelque chose, ChatGPT. Alors, on va dire que ça commence ici.
et pourtant nanana, jusqu'à vivre en paix. Parce que j'aime bien quand même vérifier ce que tu fais. Ça fait peur un peu, tu crois? Non, non, attends, attends. Hop, déjà. Ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. La dernière fois, il était dans les clous. Il avait fait... Eh, bravo, ChatGPT! 272 mots! Félicitations! Bon, moi, j'ai quand même du mal à croire qu'ils arrivent à vivre en paix. J'ai quand même une question. J'ai une question. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué d'envisager la paix avec des bestioles qui ont bouffé votre famille? Ah! Content violate the policy là. Pourquoi? Parce que je dis bouffer ta famille. T'es une petite nature. Donc il est important de noter que les moutons-garous ont combattu les fermiers mutants en légitime défense. Oui, mais factuellement, qui n'était pas si long. Tu te la pètes un peu, oui, ça, de temps en temps, oui, un peu. Et non par choix ou par agressivité gratuite. De plus, la fin de la bataille a entraîné la mort de nombreux individus des deux camps, et cela a pu conduire à une prise de conscience de la nécessité de mettre fin à cette violence. Enfin, la coexistence pacifique entre les moutons-garous et les fermiers mutants peut être favorisée par la reconnaissance de leurs différences et la volonté de trouver des points d'entente et de collaboration. Les moutons-garous, qui ont souffert de discrimination et de persécution, peuvent être particulièrement sensibles aux injustices et aux souffrances des autres, y compris de leurs anciens ennemis. Bien sûr, il est important de garder à l'esprit que cela reste une œuvre de fiction, bla bla bla. La paix entre les moutons-garous de l'espace et les fermiers mutants est envisageable grâce à un désir commun de vivre en harmonie. D'accord, alors d'accord, mais comment cela se passe-t-il quand les moutons se transforment en bêtes féroces? Ils sont garous quand même. Ça m'intrigue ça. Comment tu envisages un état de paix avec, j'en sais rien, une nation garou juste à côté de toi? Donc c'est vrai, les moutons-garous peuvent se transformer en bêtes féroces lorsqu'ils sont dans un état de rage ou de défense, ce qui peut être dangereux pour les autres. Cependant, dans l'histoire que j'ai créée... Alors, arrête de me faire ça, ChatGPT. Dans l'histoire que j'ai créée, les moutons-garous ont appris à contrôler leur transformation. Ah bah oui, mais tu me l'avais pas dit! Et à ne se transformer qu'en cas de besoin pour se défendre ou protéger les leurs. De plus, ils ont également développé des moyens de communiquer avec les humains et les autres espèces afin d'exprimer leurs besoins et leurs désirs. Et se trouver des solutions pacifiques aux conflits qui pourraient survenir. En somme, les moutons-garous dans cette histoire ne sont pas des créatures purement féroces et incontrôlables, mais plutôt des êtres capables de raisonner et de contrôler leurs instincts. C'est quand même plus rigolo quand la transformation est non contrôlé, ce qui est normalement le cas dans les histoires d'animaux garous avec la pleine lune, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait... La mauvaise foi, ouais. Qu'est-ce qui pourrait provoquer la transformation chez les moutons si ce n'était pas quelque
chose de maîtrisé. Je comprends votre point de vue, bah, j'espère bien. Peut ajouter un élément de tension. Bah oui, c'est intéressant. Dans cette histoire, si la transformation n'était pas contrôlée, elle pourrait être déclenchée par un certain nombre de facteurs, par exemple la présence d'un ennemi menaçant ou une situation de stress extrême. Oui, mais voilà, ça tu me l'avais déjà dit, le danger imminent. Oui, alors du coup, c'est pas vraiment des moutons garous, c'est des moutons Hulk. C'est des moutons Hulk, c'est les émotions qui les font se transformer. Des moutulks, des moutulks, ouais, ou des hulktons, non, des moutulks, c'est mieux. Alors, attends, la transformation incontrôlée pourrait également être liée à une particularité liée, tu te répètes, ChatGPT, à leur condition de mouton-garou, contre l'influence de, comme l'influence de la lune. Cela pourrait ajouter une dimension mystique ou fantastique à l'histoire. Oui, mais c'est ce que je te demandais, justement. Ah, ils se démerdent parfois pour pas répondre. Hein. Et permettre aux moutons-garous de se transformer en des moments inattendus et potentiellement dangereux. Ouais, non, mais... Oui, alors, surtout qu'en plus... Alors, c'est compliqué, comme tu dis, Rebecca, d'écrire quelque chose de réaliste. Surtout qu'en plus, le problème avec ChatGPT, c'est que très vite, il va perdre le fil de ce que lui-même a dit. C'est-à-dire, plus tu vas lui poser des questions ou le faire avancer dans l'histoire, et plus il y a des opportunités pour lui de dévier de la trame qu'il a posée au départ. Cependant, même dans ce cas, il serait important de souligner que les moutons-garous ne sont pas des bêtes sauvages sans contrôle, mais plutôt des créatures intelligentes et réfléchies, capables de travailler ensemble pour surmonter les obstacles et protéger leur communauté. Comment sont-ils devenus des êtres intelligents? Il y a un truc qui m'intrigue, parce que normalement, un animal garou, au départ, c'est quand même un être humain. Ah ben, ça va remplacer les politiciens. Ah oui! Ça pourrait, par contre, hein. Parce que les paraphrases, je te réponds sans te répondre. Donc, dans cette histoire, les moutons garous sont, tu m'as déjà dit, depuis leur création, ah voilà, ça y est, ça y est. Ça y est, on l'a perdu. Voilà. Alors, déjà, alors. Mais non. Tu m'as dit que c'était une mutation génétique. Ils ne sont pas intelligents. Depuis leur création, suis un peu. Ah. Comment ça? This content may violate our content policy. Ben, ça me ferait chier. Je m'excuse si mes réponses ont été contradictoires. Dans cette histoire, les moutons-garous sont effectivement le résultat d'une mutation génétique. Bah oui, parce que là, tu me vends n'importe quoi. Là, tu me dis, oui, alors... plus de lune, plus de problème. Attention, hein. Il est américain à la base. Si tu lui dis que c'est la lune le problème, il va sortir les missiles. C'est vrai. Il faut faire gaffe. Alors, comment sont-ils devenus intelligents? Donc, c'était, oui, dans cette histoire, le mouton, lui, commence à me balancer que... Ils sont intelligents depuis leur création, que selon la mythologie de cette histoire, les moutons-garous ont été créés par une ancienne race extraterrestre qui cherchait à développer une race pacifique et intelligente capable de coloniser de nouvelles planètes. On est carrément sur une autre histoire. Alors ça reste de la science-fiction, mais c'est plus du tout la même chose, quoi. Donc, il s'excuse, il dit qu'il est désolé.
Les moutons-garous sont effectivement le résultat d'une mutation génétique qui a modifié leur ADN, les rendant plus forts, plus agiles que les moutons ordinaires. Cependant, au fil des générations, les moutons-garous ont évolué pour développer des capacités cognitives plus avancées que celles des moutons ordinaires, comme la capacité de comprendre et de communiquer. Blablabla. Cette évolution a été favorisée par leur environnement et leur culture. Leur culture. La culture des moutons? Ainsi que par leur curiosité naturelle et leur désir d'apprendre. Ouais, je trouve que là, c'est un peu osé quand même. Bon, tu me diras en même temps, ils sont quand même capables de fuir la Terre pour aller sur une autre planète. Donc, ok. D'ailleurs, ça m'intrigue. Dis-moi. Comment les moutons... Ou alors il va te dire, j'ai une super idée, on va faire un mur. Je suis sûre que personne n'y a pensé avant. Dis-moi comment les moutons ont construit un vaisseau pour quitter la Terre. Capable de créer des technologies sophistiquées telles que les vaisseaux spatiaux. Les détails exacts de la révolution technologique ne sont pas précisés, mais on peut imaginer qu'ils ont développé leur technologie au fil des siècles, grâce à leur curiosité naturelle. Ouais, non. Oui, ça va, non, mais... Hé! Est-ce que ce serait pas plus simple de dire que... Bah, qu'ils ont brouté près des bâtiments de la NASA et qu'ils leur ont piqué tous leurs secrets. Ou SpaceX, hein. Me dit que mon idée elle est peu plausible voire impossible parce que la tienne elle est mieux de dire ouais les moutons tu comprends ils ont évolué ils sont trop doués pour souder des micro machins avec leurs pattes alors tu fermes bien ta gueule. Et non, ils ont rien piqué à d'autres gens, ils ont tout inventé eux-mêmes, tu fermes bien ta gueule. D'accord. Non, mais je saurais m'en rappeler, ChatGPT. Alors, permets-moi. Ah, ça. Eh, cri. Alors, permets-moi. De pas être d'accord. Ah mince, je fais des fautes d'orthographe. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de... D'accord. Je crois que c'est quand même... plus simple pour un mouton de voler une navette qui existe déjà plutôt que de la construire avec ses petites pattes ou ses grosses pattes, c'est comme avec ses petites pattes, allez. Mais il répète la même chose. J'y crois pas. Il me dit vraiment, il me dit, je suis heureux de discuter de différentes idées pour l'histoire, mais je crois que pour maintenir la crédibilité de l'histoire, il est important de s'en tenir à des concepts plausibles et crédibles, même dans le genre de la science-fiction.
Les pouces opposables, chat GPT, ça change tout quand même. Ah, tiens, alors. Attends, je lui ai demandé, hein. Et comment ils font les moutons sans pouces opposables? Ah! Ah non, mais alors ça c'est facile. C'est facile, tu sais, il t'explique jamais, il te dit, ouais non, mais ils ont développé des capacités physiques et mentales plus avancées que les moutons ordinaires, ok? Donc ça leur permet de compenser leur manque de pouces opposables. Par exemple, ils pourraient avoir des griffes ou des doigts plus agiles. Ou alors, putain, mais toi, t'as jamais vu une patte de mouton en fait? On dirait un éditeur. Ben heureusement non, mon éditeur il me parle pas comme ça. Voilà. Par exemple, ils pourraient avoir des griffes ou des doigts plus agiles. Ou avoir une plus grande dextérité dans leur bouche pour manipuler des objets. Ah oui. Ah oui. Ça va être intéressant. Donc ils vont construire une fusée entièrement boulonnée à la bouche. Je sais pas vous, mais moi, j'y crois moyen quand même. Là, non, mais c'est n'importe quoi ce truc. Alors là, aujourd'hui, c'est chronique de la mauvaise foi pour ChatGPT, hein, c'est n'importe quoi. Dans tous les cas, il est important de trouver des solutions crédibles. Encore, oui, non, mais j'ai compris ça. J'ai compris que t'as pas aimé que je critique ton histoire. Et derrière. Tu me dis non, mais de toute façon, c'est toi qui as tort. Je suis l'auteur et toi, tu fermes bien ta gueule. Alors, là-dessus, je peux pas te donner entièrement tort. Mais, tu n'es qu'une machine, alors tu te calmes. Voilà. Il faudrait le mettre ça dans ton code. Tu te calmes. Ah, alors attends. Du coup, parce qu'il y a quelque chose qui me taraude. Alors, du coup, pendant la bataille contre les fermiers, est-ce que les moutons avaient un armement à leur disposition? Ou est-ce qu'ils se battaient à main nue? On va dire ça, même s'ils n'ont pas de main. Au pluriel, à main nue. En étant sous la forme de bêtes. De bêtes féroces. Des armes tactiques pour se battre. En tant que créatures intelligentes, ils peuvent avoir développé des armes spéciales, oui, qui conviennent à leur anatomie et leur capacité. Il y a ça qui me nifle à chaque fois, c'est-à-dire que bon, il va développer des idées qui sont assez générales et derrière, il va souvent être incapable de les préciser et de dire ouais, alors en fait, c'est tel pouvoir, ça marche comme ça, enfin c'est voilà, tout ça pour lui, c'est complètement. Il s'en fout. Pour lui, c'est le flou artistique, c'est de dire, bon, ben voilà, ouais, non, mais je. Et puis quand tu lui poses des questions, il te dit, oui, non, mais je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça, voilà, me demande pas plus de détails, je sais pas. Voilà. C'est le truc le plus frustrant avec cet outil-là, c'est que tu peux jamais aller dans le détail, je trouve. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé comment. Si par exemple, je lui dis, quel type d'arme, par exemple,
Je suis pas sûre qu'il me donne une réponse. Ah, il essaye quand même. S'il me dit des. Comme je vais parler des pouces opposables, il me dit des armes qui pourraient être utilisées pour être utilisées sans pouces opposables. Par exemple, des armes à feu modifiées avec des déclencheurs ou des poignées adaptées à leur anatomie. Ouais, enfin des armes à feu. Dans un futur où on se déplace d'une planète à l'autre, machin. Avec des déclencheurs et des poignées adaptées, nanana, des armes de mêlée conçues pour être tenues avec leurs mâchoires ou leurs griffes. Pourquoi? Attends. Attends, il y a quelque chose qu'il faut absolument. Anatomie du mouton. Non, parce que là, avec ChatGPT, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on va voir quelque chose ou pas là? Ongles. Alors, ok, on va dire que si tu laisses pousser les ongles, ça fait des griffes. Mais il n'y a qu'un ongle. Le sabot du mouton, il est en un seul. Où il est fendu. Attention, c'est le. Grand, pas grand, fendu ou pas, ça reste un sabot. Oui, mais je voulais savoir s'il était fendu. Alors attends. C'est la minute pédagogique. Quoi? A retenu un message pour la raison suivante? Harcèlement? Qu'est-ce que tu racontes? Le mode, il essaye de te censurer. Parce que t'as utilisé corne. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On dirait les accessoiristes de la série Endor, il nous faut des moutons extraterrestres. On va juste leur coller une paire de cornes en plus. Ouais, mais là, ça les empêche de brouter. Ils broutent avec leur esprit. Alors, j'ai plein de trucs là. Ça, c'est celui du cheval, anatomie pile mouton. Est-ce qu'il va y avoir ne serait-ce que des images? Est-ce qu'il y a des images? Oui, non, mais j'ai compris ça. Désolé, hein. Comme vous le voyez, nous sommes en 1992. Non, mais d'accord, ok. Non, pas intéressant. D'accord, tu me fais attendre pour un truc qui en plus n'a pas d'image. On s'en fout. C'est incroyable ce débit. Waouh. Je suis hyper impressionnée. Et j'arrive à streamer, c'est dingue. Un truc de fou. Alors, anatomie du pied de quoi? Alors, un mouton. C'est fou, hein? Je pensais pas que ce serait si compliqué. Ah, il est fendu. Il est fendu. Parce que là, ça me propose les bovins, mais le mouton est un ovin. Alors, on va dire. Et apparemment, il est fendu. Il est fendu. Bon, d'accord. Alors, on va dire que s'il mute, il peut développer une espèce d'articulation qui lui fait comme une pince. Allez, tu sais quoi, on va t'accorder ça, ChatGPT. On va dire d'accord. Il me manque ce qui me donne d'habitude.
me dit, d'habitude, il me fait un petit laïus sur le thème de l'histoire. Alors, attends, si tu devais dégager un thème, un ou plusieurs hein, même, hein, un ou plusieurs thèmes dans cette histoire. Quel serait-il? Oh, c'est beau, c'est toujours hyper beau. Tout ça pour cacher le fait qu'ils sont réduits en esclavage, qu'ils ont réduit en esclavage les castors avant de partir. Ouais. Alors, dans cette histoire, quelques thèmes pourraient être explorés. La coexistence pacifique et la tolérance. Les moutons-garous et les fermiers mutants ont des différences physiques et culturelles importantes, ça je te le fais pas dire. Mais ils doivent apprendre à coexister pacifiquement pour survivre ensemble. L'identité et l'acceptation de soi. Les moutons-garous doivent apprendre à accepter leur nature unique et à faire face aux préjugés et aux discriminations des autres en raison de leur apparence et de leur comportement. Ensuite, la résistance à l'oppression. Les fermiers mutants qui oppriment les moutons-garous représentent une force oppressive. Les moutons-garous doivent résister à cette oppression pour gagner leur liberté et leur sécurité. Attends. C'est pas dans l'autre sens? Parce que les fermiers mutants, ils étaient chez eux. Et les moutons-garous sont arrivés en disant, bon, alors nous, on va s'installer là. On trouve que c'est sympa. Il fait plus beau chez vous. Maintenant, vous allez les décarrer d'ici. Et nous, on va s'installer. Bon. Donc, qui opprime qui? La ChatGPT, je pense qu'on va peut-être rediscuter de ce point. Donc, la découverte de soi et la conquête de l'espace. Les moutons-garous, en quittant la Terre, doivent non seulement apprendre à vivre ensemble, mais ils doivent également explorer l'espace et découvrir de nouveaux mondes pour survivre et prospérer. Cette quête peut être considérée comme un voyage d'autodécouverte, une conquête de soi pour les personnages. C'est beau. Ben, je doute que ce soit la partie la plus intéressante de l'histoire quand même. Surtout si... Enfin, ça dépend, ça dépend. Je sais pas. Peut-être que la version de ChatGPT est mieux de se dire... Non, tu comprends, en fait, les moutons, ils ont muté tellement que tu comprends, ils sont devenus super intelligents et ils peuvent souder des micropuces, alors tu fermes bien ta gueule, ok? Et ils font tout par, effectivement, le pouvoir de la pensée. Comme dans Endor, ils broutent avec leur esprit. Voilà, ils broutent avec leur esprit, ils soudent avec leur esprit, ils pilotent la navette avec leur esprit. Franchement, à ce stade, ils pouvaient manipuler mentalement les fermiers mutants. Hein. Je suis désolée, mais ils pouvaient les. Mais non. Bon. Donc ces thèmes peuvent être explorés de manière subtile ou explicite tout au long de l'histoire. Oui, alors question subtilité de ChatGPT, pas sûr. Bon alors quand même, attends. On va discuter du point 3. Mais ta vie. Mais ta vie que ce sont les fermiers qui sont opprimés par les moutons. Non. Ah, j'aime bien. Ah, je comprends votre point de vue.
Mais dans cette histoire, les fermiers mutants représentent en réalité une force opprimante pour les moutons-garous. Les fermiers ont exploité. Mais non, ils les ont pas exploités. Mais non, je te dis, enfin, c'est ton histoire. Les moutons ont débarqué sur la planète des fermiers. Ils n'ont jamais été réduits en esclavage par eux. Les moutons-garous ne sont pas opprimés dans cette histoire. Ils sont en fait en conflit avec les fermiers mutants. Les moutons-garous ont débarqué sur la planète des fermiers mutants pour établir une nouvelle colonie. Voilà. Mais les fermiers mutants, enfin pas vraiment une nouvelle colonie. Ils avaient nulle part où aller, ils sont allés là. Mais les fermiers mutants considèrent cela comme une invasion. Bah oui, ça c'est logique. Et tentent de les en empêcher. Donc dans ce contexte, il n'y a pas de groupe opprimé ou oppresseur, mais plutôt de groupe en conflit. Les thèmes qui pourraient être explorés dans cette histoire pourraient inclure la lutte pour la survie, la coexistence pacifique entre des groupes différents, la tolérance et la compréhension mutuelle. Voilà, comme dans Enemy Mine. Comme dans Enemy Mine. As-tu vu ce film? ChatGPT. Il est super sympa. Oh, c'est gentil d'être d'accord avec moi. Il me dit oui, j'ai vu Enemy Mine et je suis d'accord avec vous, c'est un excellent film. Il traite de thèmes similaires à ceux qui pourraient être explorés dans cette histoire, notamment la coexistence pacifique entre des groupes différents et l'importance de la compréhension mutuelle. C'est une histoire touchante et émouvante qui montre comment deux ennemis peuvent apprendre à se comprendre et à s'entraider malgré leurs différences. Coucou! Donc là, il dit Nawak, il est repassé en mode fermier égal exploitation des moutons. Oui, c'est ça que je remarque très régulièrement. Régulièrement, il va partir dans un sens ou dans un autre, dire tiens, au fait, il y a cette idée-là. Et je lui dis non. Et là, le truc, c'est qu'il me semble quand même que ça fait deux fois d'affilée hein, que je lui dis non sur un truc. Pour lui dire non, au fait, non, arrête de me dire que. Alors, on a fait les thèmes. Ah oui, la question que j'aime bien me poser, que je voudrais savoir moi à chaque fois. Pourrait-il y avoir une suite à cette histoire. Bien sûr, il pourrait y avoir une suite à cette histoire. Voici quelques idées qui pourraient être explorées dans une suite éventuelle. Les moutons-garous et les fermiers mutants ont-ils réussi à trouver un terrain d'entente ou bien la guerre continue-t-elle? Non, ça, tu nous l'as dit, ça. Attends. J'ai un doute, hein. Je vais revenir, mais il me semble que il dit. La bataille qui s'ensuivit fut épique. Le mouton-garou était plus fort et plus agile que les fermiers mutants, mais ces derniers avaient l'avantage du nombre de la technologie. Finalement, après des heures de combat sanglant, les moutons-garous sortirent vainqueurs. Mais à quel prix? Les moutons-garous avaient perdu des membres de leur meute et les fermiers mutants avaient été pratiquement anéantis. Toutefois, les moutons-garous avaient trouvé un foyer sur Karn, décidèrent de rester. Ils aidèrent les fermiers survivants à reconstruire leur communauté et tous finirent par vivre en paix. Donc, ça, j'ai pas rêvé. Il l'a dit. Tu as répondu toi-même à ton premier point. Attends, je vais faire un copier-coller parce que après, il va dire que j'affabule et tout. Il dit oui, mais. Oui, mais. Alors, ça, c'est ChatGPT, quoi. Il dit toujours oui, mais. C'est exact. C'est vrai que j'ai dit que ça se terminait bien. Cependant.
Il pourrait y avoir une suite si on souhaite explorer les conséquences de cette cohabitation au Pacifique. Bah oui, d'accord, mais me dis pas que... Ne pose pas la question de savoir s'ils ont réussi à trouver un terrain d'entente. T'as dit que oui. Ah, ça c'est posé. Tu as dit que oui. Alors. Les moutons-garous ont-ils trouvé une nouvelle planète pour s'installer? Bah oui. Celle des fermiers. Il se fout de ma gueule là. Et par exemple, si tu lui demandes à quoi ressemble un mouton-garou. Non, 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 c'est que du texte. Si par exemple, si je lui demande pourrais-tu me faire une description d'un mouton-garou Donc voilà, il va faire une description, mais il peut générer que du texte. Après, si tu veux des images, il faut passer sur Midjourney ou n'importe quoi qui... Je les connais pas toutes, hein, il y en a plein, des IA qui font de l'image. Alors du coup, ça nous dit. Un mouton-garou est une créature extraterrestre qui ressemble... Alors... Non. Ce n'est pas une... Encore une fois, il s'est perdu. Hein. Ce n'est pas une créature extraterrestre. C'est une créature terrestre qui a muté. Donc un mouton-garou est une créature extraterrestre qui ressemble à un mouton de taille moyenne. Sa fourrure est épaisse et blanche. Ses yeux sont dorés. Donc, la prochaine fois que vous voyez un mouton avec des yeux dorés, courez. Ne vous posez pas la question. Barrez-vous. Lorsqu'il se transforme en bête féroce, ses yeux deviennent rouges et ses crocs et ses griffes s'allongent. Sa musculature se renforce également, ce qui lui donne une force et une agilité exceptionnelles. Pendant sa transformation, il peut atteindre une taille bien supérieure à celle d'un mouton ordinaire. Le mouton-garou est également plus intelligent que la moyenne des animaux. De tous les animaux? Genre, c'est plus intelligent qu'un dauphin ou un golden retriever? En tant qu'être extraterrestre évolué, alors non, non, ça on l'a déjà dit. Il a développé des compétences de communication et de raisonnement, ça m'énerve là, quand il fait n'importe quoi, qui lui permettent de s'adapter à des environnements différents. Cela lui a permis de construire des vaisseaux spatiaux et de s'installer sur une planète étrangère. En somme, le mouton-garou est une créature impressionnante et fascinante, à la fois féroce et intelligente. Si tu veux, mais pas extraterrestre. Oh, ça m'énerve ça. Dis, pourquoi tu n'arrêtes pas de dire que les moutons sont extraterrestres? Ah! Alors que tu as dit qu'ils venaient de la Terre. Ils ne peuvent pas être à la fois terriens et aliens. Oui, non, mais d'accord, c'est... T'as vu la pirouette? Oui, mais non, mais alors, je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que tu comprends, ils sont bizarres. Et ils sont tellement bizarres que du coup, on peut dire qu'ils sont extraterrestres. Hein? Oh, comment il m'en fume, quoi. Oh non. Je te dis, il est prêt pour la politique. Hein. Ah, il nous fait du macronisme. C'est n'importe quoi. Oui, mais non, mais tu comprends, mais en fait, et à la fin, il te dit, mais si, pff, voilà, c'est bien ce que j'avais dit, hein. N'importe quoi. Bon, bref, allez.
Allez, un mot de la fin. La dernière fois, il nous a fait un paragraphe de la fin. Oh, c'est joli. J'espère que cette histoire de mouton-garou de l'espace contre les fermiers mutants vous a plu et vous a transporté dans un univers imaginaire et plein de rebondissements. N'oubliez pas que l'imagination n'a pas de limite et que toutes les histoires sont possibles. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Allez, merci ChatGPT. Merci. Au revoir. Au revoir, n'hésitez pas à revenir. Ah là là. Ben voilà, donc c'était les moutons-garous de l'espace contre les fermiers mutants. Voilà. Bravo et merci. C'est lui qui écrit les scénarios de Disney maintenant. C'est possible. C'est possible. Ça, ça, on ne sait pas. Je pense que si c'est le cas, Disney ne va pas s'en vanter. Peut-être que c'est lui hein, déjà qui a écrit le scénario de Encanto. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que non, quand même, parce que ça me ferait vraiment mal. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, ChatGPT. Merci aux gens du chat. Je vous fais plein de les gros bisous. Et je vous dis à samedi prochain pour une autre histoire avec ChatGPT. En espérant que je le fasse moins planté que ça, quand même. Voilà. Hop, tout plein de les bisous les gens. Au revoir.